Coca-Cola. Bonjour, jusqu'à 20h30 en clair et sans deck sur la top des chaînes Canal+, l'émission que même les habitants de Papouasie inférieure nous envient, la révélation du nouveau top, nous en sommes déjà 230e. Et oui, ça ne nous rajeunit pas les petits clous. Alors, deux questions pour faire monter la mayonnaise et le suspense par la même occasion. D'abord, d'après vous, est-ce que pour toi, Arménie est toujours numéro 1 du top? Et puis deuxième question, qui arrive directement à la 7ème place? Quelle est la meilleure entrée de cette semaine? La réponse, bien sûr, dans quelques instants. Mais tout de suite, ceux qui, hélas, quittent le top. Certains par la fenêtre, d'autres par la porte. L'amour s'en va, l'amour revient. Bruno François, lui, s'en va. Sorti cette semaine de Aurélie et Jean-Luc Lahaye, l'amour pour qui? Dorothée quitte le top avec Attention Danger. Et puis sorti peut-être que provisoire de Boum Boum et l'été qu'il a avec T'embrasser à Mexico. Et puis n'oubliez pas que le top 50, vous le retrouvez chaque semaine et dans Télé 7 jours et dans Top 50 Magazine. Décidément, les New Beaters et Houseurs de tout poil ne respectent absolument rien, même pas la légende. Par exemple, ce groupe français baptisé les 20 Years After ont littéralement ponctionné le répertoire des Beatles. Ils arrivent aujourd'hui en 50e position avec le Magical Medley. Le déjà 230e, le groupe s'appelle les 20 Years After, titre du 45 tours, Magical Medley. Gamel.